Vous savez, c'est pas toujours facile, hein, de dire ce qu'on pense. Spinoza a été excommunié pour ça, exclu à vie de sa communauté. Mais bon, il est un peu casse-couille, Spinoza, lui aussi. Wesh. Il est ambitieux, mettons, hein? Mon objectif, c'est d'enseigner la philosophie. C'est déjà beaucoup. Vous savez, on n'est pas ici pour juger nos étudiants, mais pour les accompagner. On a eu la visite d'une de tes étudiantes. Selon elle, vous êtes en désaccord à propos d'une correction. En désaccord? Tu fais bien de tenir ton bout. Prof, il dit tout le temps qu'il faut penser par soi-même, mais c'est ça que ça donne. Tenir ton bout? C'est rien, papa. T'en fais pas, ça va se régler. De l'importance de ne pas être insignifiant. Ouais, c'est à peu près ça. J'écris pas pour faire plaisir? Peut-être, mais des fois, j'ai l'impression que tu fais exprès pour provoquer. Quand tout le monde fait exprès pour être offensé, ça prend pas grand-chose, là. Vous devriez peut-être laisser les étudiants se noter eux-mêmes, hein? Tant qu'à faire. Oui, le projet est à l'étude. Tu sais, les principes, c'est un petit peu comme les ceintures. Ça finit toujours par être trop serré. Mais le problème avec la révolte, c'est qu'elle émane souvent d'une forme de haine. Étienne Brasseur, de quoi faut-il s'indigner? Éclairez-nous. Du conformisme, des jugements préfabriqués. Vous attaquez les minorités religieuses, ça commence à pencher pas mal vers la droite, votre affaire. Ça paraît que vous avez pas lu mon livre, faire traiter de fasciste à la radio. Ça, je t'avoue que ça me dérange. Mademoiselle Abdelli demande à ce que l'affaire soit entendue par le comité. Il faut procéder. Si on me donne tort, c'est la porte. Ce qui compte d'abord et avant tout, c'est ta classe. Plus on comprend les choses, plus on existe. Qu'est-ce qui est important? La vérité. La vérité, c'est important. C'est pas... Il y a une partie de moi que j'aurais l'impression de renier si je cédais. T'es un excellent pédagogue, avec la tête puis le cœur à la bonne place. Puis tu seras jamais aussi utile à la société que dans ta classe avec tes élèves. La foi, c'est important, ma sœur. Et le courage aussi. Regarde alentour. As-tu une différence, toi, entre ceux qui ont fait des compromis puis ceux qui n'en ont pas fait?